Bonsoir. Chaos sonore. Écoute, j'ai entendu Alexis Michalik s'essayer à quelques verres. Ouais. Je me suis dit que j'aurais peut-être l'audace de faire pareil. Allez. C'est bon, je peux ? Super. Pour ceux que j'en connais, le casteur de ma vie, c'est moi. Chanteur de mon parking, on me jugeait doué. Oubliant sacrifice, les années, le travail, acteurs et musiciens ne parlent que de jouer. Chacun sa partition quand les rêves nous retardent. La vie inspire l'auteur inspire la vie. Paroles qu'on peut danser, notes qu'on photographie. Bref, les images s'écoutent, la musique se regarde. Il y a eu ces idées et ces mots et ces sons. Très souvent dès l'enfance, ils nous ont abordés. J'ai consenti à tout, sans avoir le soupçon du temps qu'il me faudrait pour tous les accorder. Des mélodies qui rêvent d'expressions qu'on libère. Si tant est qu'on vous laisse partager un cauchemar, qui jouerait des deux pieds et tellement de travers qu'on pourrait suggérer qu'il aille niquer sa mère. Alors à toutes ces nuits blanches et sommeils écourtés, toutes ces inspirations qui naissent quand il fait noir, cette musique qu'on entend, qu'il s'agit d'écouter, pour qu'à la fin du bal, on couronne les Césars. Oh. Cette cérémonie m'a toujours fait rêver. Merci beaucoup de m'y accueillir, Antoine. C'est un plaisir, ça fait. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Les nommés pour le César de la meilleure musique originale sont... Ron Mael et Russell Mael du groupe Sparks pour Annette. Guillaume Roussel pour Bac Nord. Philippe Rombi pour Boîte Noire. Rhône pour les Olympiades. We are not alone. Warren Ellis et Nick Cave pour La Panthère des Neiges. We are not alone. Alors, faut-il jouer le suspense? Peut-être. Guide-moi. Pas trop. Guide-moi, c'est ma première. Le César de la meilleure musique originale est attribué à... Ron Mael et Russell Mael du groupe Sparks. Ils ont été nommés plus tôt ce soir en meilleur scénario de cet opéra rock qu'ils ont initié. Le Oscar Axe les avait découverts à 13 ans avec l'album Propaganda et leur première rencontre a eu lieu à Cannes quand ils étaient venus le remercier d'avoir utilisé une de leurs chansons dans Holy Motors. Ils avaient déjà signé la BO de deux films, dont Piège en Combe de Sweetheart avec Jean-Claude Van Damme en 98. Félicitations. Je vais parler en français parce que ça a commencé quand nous étions étudiantes à l'Université de Californie à Los Angeles et on est allé chaque week-end pour voir les films français qui sont passés à Los Angeles, commencé par Jean-Luc Godard et François Truffaut et n'importe quel film de Jean-Paul Belmondo et aussi de Alain Delon et maintenant d'être ici sur ce plateau ce soir dans un événement français qui fête le cinéma, c'est vraiment extraordinaire et on voulait aussi remercier toute l'équipe qui ont fait ce film sans compromis parce que c'est un film musical, mais on pense que c'est un musical un peu différent et on voudrait remercier Léos Carax, le metteur en scène qui est vraiment génial et aussi Charles Gilibert d'avoir soutenu ce projet au début, et aussi les acteurs, Adam Driver, qui était super dans ce film, et aussi Marianne Cotillard, et aussi Simon Helberg. Et le petit Devin aussi. Et je ne sais pas
quoi d'autre. Russell, mais c'est un grand surpris. Russell, pardon, on se connaît depuis quelques années. Vous m'avez jamais dit que vous parlez français, en fait. Alors j'ai peur de dire quoi que ce soit parce que vous risquez de découvrir que je ne suis pas français. Vous allez me retirer ce César et ce sera sur mon corps mort merci que vous le retirez. Merci à toute l'équipe qui ont réalisé ce film. C'est vraiment un travail de passion pour tout le monde qui était avec nous pour presque 9 ans pour faire ce film. Donc, merci beaucoup. Merci, Sofiane. Merci et bravo aux Sparks. Voici maintenant venu.